Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, ça sera un haul Kiabi. Alors au niveau de la qualité de vidéo, peut-être que vous allez voir que ça change des vidéos précédentes. C'est juste que je filme avec mon ancien téléphone. J'ai toujours mon montage, mon logiciel de montage vidéo et tout. Et en fait, j'ai plus beaucoup de place au niveau stockage sur ce téléphone-là. Donc du coup, j'utilise celui-là. Comme ça, je m'avance sur mes vidéos. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un haul Kiabi. J'ai non pas un haul à vous montrer, donc là un, j'en ai deux, voilà. Donc j'ai fait mes achats comme d'habitude en début de mois, comme je fais habituellement. Donc là j'ai eu un premier ticket de 96,26 €. Et j'ai refait mes achats une deuxième fois aujourd'hui, on est le vendredi 17 mai je crois, ouais 17 mai, c'est ça, vendredi 17 mai. Donc j'ai refait des achats parce qu'il y avait une promotion fête des mères et j'ai refait des achats avec mon compte, avec ma carte professionnelle. Donc big haul, je prévois encore de racheter des choses au mois de juin parce qu'on a reçu des magnifiques robes. Vous verrez ça le mois prochain. Mais déjà là, j'ai voilà, j'ai recraqué. Donc j'ai eu un premier ticket de 20,30 €. Et 20,29 € et le deuxième ticket de 43,50 €. Donc voilà. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc là, c'est que des affaires pour moi. Ma fille, je l'ai déjà bien rhabillée dernièrement. On a été chez une de mes collègues de boulot et elle revendait beaucoup de vêtements de sa fille. Donc du coup, j'en ai profité, j'ai repris des vêtements à elle pour ma fille. Donc là, c'est beaucoup plus pour moi. Donc c'est parti. Donc je vais vous faire du coup la partie où je vous présente les articles et la deuxième partie où on fait les try-on. Donc comme ça, j'en profite avant de me laver. Et c'est pareil, il faut que je mette tout ça au lavage parce que ça traîne là. Bah, mon premier sac traîne depuis au moins 15 jours. Mais j'avais tellement de vidéos à vous faire, j'ai tellement de retard au niveau de mes... c'est même pas du retard, c'est qu'en fait j'ai tellement de vidéos à vous faire que voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc hop, je vais... Alors déjà je vais remettre les boutons parce que cette robe là, je l'ai portée. Je voulais trop la porter pour voir ce que ça donne. Donc je précise que c'est que des nouveautés qui sont actuellement dans le magasin. Donc vous pourrez les retrouver. Alors l'étiquette de cet article-là, je l'avais retirée. Mais je ne sais pas où je l'ai mise. Écoutez, je ne trouve plus... c'est pas grave, à la limite, je peux retrouver le prix. Je suis con, je peux retrouver le prix. C'est bon, je l'ai, voilà. Donc, pour commencer, j'ai acheté une robe en jean comme ça, blanche, voilà. Hop, une petite robe basique. Hop, vraiment très très jolie. Alors c'est pareil, je vois souvent des collègues qui mettent des robes en jean comme ça. Et c'est vrai qu'au début, je me suis dit, ouais, on doit être compressé et tout dedans. Et du coup, je l'ai mis samedi dernier quand il a fait super bon. Et franchement, j'ai kiffé. Alors par contre, le col, je trouve qu'il est un petit peu dérangeant. À chaque fois, il fallait que j'écarte un peu le col, quoi, on va dire. Mais sinon, franchement, vraiment très très bien. Donc du coup, voilà, allez, à manche courte, les poches devant, les boutons, ici, un petit peu élastiqué. Et vous avez en fait la jupe, mais ça fait un petit peu... on voit que c'est pas une coupure, un peu comme si ça a été coupé au ciseau, quoi. Donc c'est vrai que ça fait un peu le charme de la robe. Donc moi, je l'ai prise par contre en 46, parce qu'étant donné que c'est du jean, la coupe n'est pas pareille. Voilà, c'est vrai que ça taille plus petit, vu que c'est du jean, c'est une matière quand même plus... on va dire compressée si j'arrive à m'exprimer. Donc voilà. Elle était à 25 €. Donc voilà, vraiment très très bien. Donc vraiment, j'ai kiffé. Là, j'ai racheté justement une paire de Converse pour les mettre avec mes... Converse. Là, j'avais laissé mes Converse noires parce que j'ai pas encore repris. J'avais pas encore repris à ce moment-là mes Converse blanches, mais vraiment parfait avec mes Converse blanches. Donc ça vraiment très bien, en plus vous avez des poches sur le côté et tout, donc vraiment c'est vraiment super agréable et tout, donc vraiment j'ai kiffé, voilà, comme ça je vais pouvoir laver tout ça. La robe en jean, bon bah ça c'est un coup de cœur, franchement elle est juste magnifique, donc vraiment là elle retombe bien,
C'est vrai que le 46, ça retombe bien parce qu'avec mon ventre, au moins, voilà, ça marque bien ici au niveau de la taille. Par contre, ici, c'est vrai que c'est un peu grand parce que voilà, j'ai pas une grosse poitrine, donc voilà. Mais franchement, ça fait super joli. Donc moi, je laisse quand même ouvert comme ça. Hop, je laisse ouvert comme ça, mais franchement, trop, trop belle. Vraiment, elle tombe bien et tout, comme je vous dis, avec une paire de Converse ou alors des claquettes. Mais moi, je suis Madame Converse. La petite ceinture. Hop, vraiment, la petite ceinture pour resserrer. Franchement, trop, trop beau. J'adore. Et ça, ce qui est bien, c'est qu'on a les poches. Donc ça, c'est parfait. Franchement, je kiffe. Vraiment, celle-là... Celle-là, je kiffe à fond de robe. Franchement, trop, trop belle. Parfaite pour l'été. De toute façon, vous allez me voir souvent la porter. Hein. C'est sûr et certain. Vraiment, ça, je kiffe. J'ai pris... Bah, je vais vous montrer en même temps sur hop, mes achats d'aujourd'hui. Donc, j'ai acheté donc à l'occasion de la fête des mères. Mais vous, quand vous verrez cette vidéo-là, ça sera déjà passé. Donc, pour la fête des mères, Kiabi propose le samedi 17... Non, le vendredi 17 et samedi 18, donc aujourd'hui et demain, moins 30% sur l'article préféré Rayon Femme et Adofi. Donc vous avez moins 30%, donc du coup c'est pour ça que j'en ai profité. Donc je ne pouvais pas cumuler ma carte perso avec ma remise perso et la remise 30%. Donc du coup j'ai fait deux comptes à part. Donc du coup j'ai pris une combinaison. Et vraiment, elle est trop, trop belle. Alors, je l'ai essayé et tout. Vraiment, elle est, voilà, elle est jolie. C'est vrai que c'est vraiment mon style. Moi, ce genre de combinaison comme ça, je kiffe. Là, de toute façon, quand je vais avoir mon dressing, je vais refaire un gros, gros tri dans mes affaires. Je vous le dis vraiment. Et voilà, il va y avoir un gros tri. Dans mon façon, mon Vinted, c'est pareil. Je vais le reprendre. Je vais le reprendre et tout. Bon, vous verrez ça prochainement. C'est pas tout de suite. Mais voilà. Parce que bon, le fait de faire des achats, il faut aussi après vider. Donc du coup, j'ai prise, hop, elle est à 29 euros. Donc hop, là j'ai pris taille 44. Limite, j'aurais peut-être pu prendre un 42, mais mes collègues me disent non, la 44 te va très bien. Donc du coup, elle est comme ça. Donc voilà, petite manche comme ça. Les petits boutons resserrés à la taille. Et en fait, c'est une combinaison en pantalon. Mais du coup, elle tombe très très bien. Vu que je suis grande, vraiment, elle tombe bien au bas de mes pieds. Avec une, vraiment ça, avec une Converse blanche et tout, vraiment, ça va être parfait. Mais vraiment parfait. Donc voilà, vraiment très très bien. Donc hop. Donc du coup, la petite combinaison. Donc on l'a aussi actuellement en beige. Mais bon, moi je vais pas prendre ces couleurs-là. Là, vraiment kaki. Vraiment très très bien. Ensuite, la deuxième combinaison. Donc celle-là, toutes mes collègues ont kiffé. Vraiment. Donc ça fait, voilà, ça fait vraiment un... Pareil, un joli décolleté. Hop, ça tombe mi-bras. Avec les petits boutons et tout. Vraiment très sympa. Pareil, resserré. Et ça fait un peu le côté pantalon, quoi. Ça va jusqu'en bas de mes pieds. Donc, comme je vous dis, en plus, heureusement quand même que je suis grande. Donc ça, toutes mes collègues ont kiffé. Donc moi, après, ça, c'est le genre de tenue que j'aime beaucoup. C'est vrai que, voilà, j'aime beaucoup ce genre de combinaison. Donc là, par contre, on va tester. Mais je pense qu'avec la... avec cet ensemble-là, ça fera plus joli la ceinture. Et ça va marquer le côté... Ouais. Ah oui, là par contre, oui, là j'aime beaucoup. Ouais. Franchement, là oui, une petite ceinture comme ça. Hop. Vraiment très bien avec mes Converse et tout. Alors ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de poche. Moi j'aime bien mettre les mains dans les poches. Mais franchement, là, oui, j'aime beaucoup. Ouais, franchement, moi les combinaisons, je kiffe. Hein. Là, vraiment, je kiffe et tout. Ouais, ça oui. Je valide. J'ai pris également une deuxième combinaison. Ça, on l'a reçue ce matin. Vraiment, c'est les dernières nouveautés. Quand je l'ai vue, franchement, je l'ai trouvée magnifique. Donc, on l'a reçue en version pantalon. Et c'est vrai qu'en version pantalon, au début, j'aimais pas du tout le motif et tout. Et c'est vrai que j'ai vu des collègues porter le pantalon avec un beau body marron et tout. Et vraiment magnifique. Et là, par contre, la combinaison, je l'ai trouvée, mais canon. Alors, par contre, c'est dans le rayon, je dis beaucoup par contre... C'est dans le rayon Adofi. Mais maintenant, il faut savoir que l'Adofi a été reprolongé jusqu'à la taille L. Donc clairement, un taille 42-44, comme moi, taille L, je peux le porter. Alors c'est sûr qu'il y a des vêtements en taille L que je ne saurais pas mettre en Adofi parce que c'est quand même plus petit qu'un L femme. Mais là, par contre, celle-là, magnifique. Donc voilà, donc elle est comme ça. Donc elle est avec les petites manches, donc les petites manches, les petites bretelles. Donc c'est réglable. Voilà, ça se présente comme ça. Pareil, resserré au niveau de la taille. Et en fait, c'est en version
tout simplement, c'est en version pantalon. Et à l'arrière, en fait, c'est élastiqué et vous avez le dos qui est un peu dénudé, quoi. Donc, franchement, ça va, c'est pas vulgaire, rien du tout. Moi, je préfère qu'on voit mon dos que mon ventre, évidemment. Donc, voilà. Et ici, hop, c'est du coup en version pantalon. Et voilà, elle est vraiment super jolie. Donc, du coup, j'ai pris le taille L et c'est à 18 euros. Donc, vraiment magnifique. Et comme je vous dis, en rayon, vous avez aussi la version pantalon. Donc clairement, la version pantalon, limite, ça m'aurait donné envie de le prendre avec... on a un body marron, mais bon, on verra. Mais en tout cas, voilà, vraiment très très joli. Bon, ça après, je sais que c'est le genre de combinaison que je pense pas que je mettrais pour aller bosser. On voit quand même le dos, c'est quand même fort décolleté et tout. C'est vrai que, bon, je pense pas que ça c'est le genre de tenue que je mettrais au boulot. Mais vraiment, voilà, vraiment super joli. C'est parti, donc pour la première combinaison. Donc bon, évidemment, bah, on voit mes formes, hein. Ça c'est sûr, c'est une combinaison. Mais franchement, elle est très jolie, très agréable. Donc après, au niveau du décolleté, je trouve que ça va. Donc après, je vais régler mes bretelles, quoi. Mais je trouve que ça va, ça fait pas, voilà, ça fait pas vulgaire ni rien. Après, au niveau du dos, comme vous voyez, c'est vraiment... Voilà, comme vous voyez, au niveau du dos... Ça reste convenable aussi, c'est pas, voilà, c'est pas vulgaire, on voit un petit peu mon dos, mais sans plus. Après, voilà, si je m'abaisse, on verra rien de plus, hop, hormis le bas du dos. Donc vraiment, c'est très sympa, ça fait effet un peu brassière. Et vraiment, le bas comme ça, c'est très sympa. Donc comme vous voyez, ça retombe bien au niveau de mes pieds. Donc c'est ça l'avantage, comme je suis grande. Donc après, comme je vous disais, pour un peu casser le fait que j'ai des formes, je vais les... Hop, moi je vais mettre un... Une ceinture, comme ça je vais l'essayer limite avec vous. Donc j'ai la ceinture, j'ai acheté avec ma combinaison. Oh franchement, ouais, ça... Oh, franchement ça fait beau. Attendez. Hop, j'ai la petite ceinture que j'ai pris. Bon, il va falloir que je coupe, c'est mes étiquettes de la ceinture. C'est chiant. Qui habille leurs étiquettes Hop. Bon, franchement, j'aime bien. Ou alors un peu plus comme... Ouais, non. Comme ça, après, ça va faire trop. Puis là, ça va faire... Ouais. Ouais, donc limite, il faudrait là, au niveau de la... Ouais, au niveau de la coupure. Ouais, franchement. Bah, écoutez, ça va. Ouais, franchement, ça va. Après, le problème, c'est qu'on va plus voir le bas du dos. Non. C'est ça, le problème. Ouais, donc peut-être peut-être sans ceinture alors. Ouais, il faudrait peut-être sans ceinture, ça ferait moins bizarre. C'est avec le bas du dos qui est qui se voit. Ouais, peut-être sans. Bon après c'est tout, hein, j'ai des formes, mais ouais. Bon après comme je vous dis, c'est pas le genre de truc que je vais mettre au boulot, quoi, mais ouais, franchement, ouais, j'aime bien. Franchement, décontracté et tout, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris un ensemble, donc vraiment l'ensemble canon, mais canon, canon, l'ensemble. Donc moi, vous savez que j'aime beaucoup les ensembles, j'ai mon ensemble bleu marine, j'aime beaucoup acheter des vestes habillées avec un petit pantalon tailleur, c'est vrai que j'en ai plusieurs. Et là, du coup, on a reçu un ensemble un peu bah, terracotta, et franchement, j'ai eu un gros coup de cœur. Donc voilà, donc on a déjà... La veste qui est trop jolie, un peu cintrée ici, vous avez, voilà, c'est un peu rembourré. Donc hop, donc vraiment très très bien. Hop, ici avec un bouton, vous avez les poches que vous pouvez craquer. Donc vraiment trop trop jolie, portée, je kiffe, avec un petit t-shirt blanc et tout, vraiment parfait. Donc la veste, elle est à 29 euros, taille 44, donc j'ai pris la taille 44, vraiment parfait. Et du coup, j'ai pris le pantalon qui va avec. Donc, c'est pareil. J'ai pris pantalon taille 44. Et il est à 20 euros. Voilà, taille 44. Donc, après, ça, c'est le genre de tenue qu'il faut aimer. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, je trouve que ça fait classe. Ça fait habiller. Voilà, le petit pantalon large. Vraiment, ça, parfait. Voilà, j'adore. Vraiment, j'adore. Parfait. Donc j'ai pris ça. Ensuite, on passe à l'ensemble terracotta. Bon, bah, l'ensemble terracotta,
J'adore franchement la veste. Trop trop belle. Bon, ça se referme, mais moi je ferme pas, je laisse ouvert. Vraiment très très bien. Bon après voilà, c'est pareil, hein, faut pas faire 50 000 trucs. Voilà, avec la veste, après je l'enlève quoi, mais c'est vraiment histoire d'avoir l'ensemble. Franchement trop trop beau, c'est pareil, il y a les petites poches. Parfait. Hop, j'aime vraiment, j'aime beaucoup, c'est pareil avec une Converse. Ça fait très... ça fait très secrétaire, on va dire. Mais franchement, je kiffe. Vraiment trop trop. Même là, avec ce t-shirt-là, franchement, ça ferait pas... ça ferait bien, franchement, avec ce petit t-shirt-là. Hop, le petit ensemble, mes petites Converse blanches. Bah écoutez, une petite idée de tenue sympa. Franchement, top. C'est vrai que, voilà, maintenant qu'il habille... ben voilà quoi, c'est vrai que ça, voilà, ça a bien changé. On est vraiment maintenant sur des collections qui sont quand même beaucoup plus classe, donc j'adore. Au niveau pantalon, c'est pareil, on a été plusieurs à l'acheter. C'est des nouveaux pantalons qui sont arrivés aussi dernièrement, donc on les a en rose, en rouge, en blanc, en bleu clair et bleu un peu plus, bleu marine. Moi j'ai pris du coup en version blanc avec 4 boutons, voilà, les poches devant. Donc là c'est la coupe wide leg. Donc c'est un peu la coupe très large. Voilà, donc c'est pas ce que j'ai l'habitude de porter. Mais clairement, je me dis, avec des Converse blanches, vraiment, ça va être le top. Donc vous avez, voilà, 4 boutons, les petites poches devant. Et vraiment, donc voilà, comme vous voyez, c'est pantalon très très large, mais vraiment une tuerie. Vraiment, il est trop trop beau. Vraiment porté, alors c'est pas ce que j'ai l'habitude de porter. Mais franchement, je trouve que ça change. Pareil, avec un petit t-shirt blanc, mes petites Converse blanches et tout, accessoirisées et tout, franchement, voilà, ça peut être vraiment pas mal. Donc, je l'ai pris en 44 à 22 euros. Voilà, donc vraiment, il est trop trop beau. Hop, petit blanc. Très bien, franchement très très bien. Donc, il sert un petit peu là, je dirais, mais ça va se détendre au lavage, quoi. Mais bon, après, c'est pareil, hein, on voit quand même mes formes, mais je trouve que ça va encore. Franchement, ça, voilà, ça choque pas trop. Même de profil, je trouve que ça va. Franchement, voilà, vraiment, j'aime beaucoup. Donc voilà, très sympa avec les 4 boutons comme ça et tout. Hop, il descend bien au niveau des pieds. Franchement, c'est une coupe que j'ai pas l'habitude. Mais vraiment très sympa. Même là, comme je vous dis, avec ce t-shirt-là aujourd'hui, vraiment, ça aurait pu être parfait. Donc voilà, vraiment très bien. Donc à pas, voilà, pas mettre avec... des sous-vêtements trop voyants. Bon, quoique là, j'ai du... franchement, j'ai des sous-vêtements bleus, ça va. Ça se voit pas trop, mais bon, j'ai pris quand même du cher, comme ça, ça sera mieux. Mais voilà, vraiment très très bien. Et comme je vous dis, c'est pas une coupe que j'ai l'habitude, mais franchement, ça change. Et comme toujours, avec des Converse. Et enfin, au niveau pantalon, ce que j'ai pris aujourd'hui, on a reçu des petits pantalons fluides pour l'été. Pareil, petit débardeur, petit haut blanc et tout. Parfait, parfait. Donc, j'ai pris les deux mêmes, hormis la couleur qui change. Donc, j'ai pris des tailles L à 20 euros. Donc, j'avais hésité à prendre du XL, mais finalement, non, le L, très bien. Donc, du coup, c'est des petits pantalons, en fait, élastiqués au niveau des hanches. Vous avez, du coup, bon, les petits nœuds, mais ça, c'est de la fantaisie. Et en fait, c'est des pantalons, pareil, larges, extrêmement fluides. Donc, vous avez un beau vert, comme la combinaison que j'ai achetée, quoi, tout simplement. Voilà, donc, c'est vert comme ça. Hop. Et je l'ai pris en version orange. Voilà, alors ça, j'ai pas l'habitude de prendre du orange comme ça. Mais franchement, trop trop beau. Et on est vraiment à l'aise. Vraiment, voilà, c'est un beau L qui taille bien et tout. Donc du coup, j'ai pris les deux versions. Et enfin, je vous montre le petit pantalon fluide. Bon, je vais pas vous montrer le orange parce que c'est le même. Je vous montre le vert. Donc voilà, vraiment, ils sont super beaux. Très très bien, vraiment très fluide. Ça, c'est parfait pour l'été. Même là, franchement, pour aller bosser... si on a des canicules et tout, vraiment très bien. Donc bon, après celui-là, honnêtement la couleur, celui-là ça va, ça se voit pas trop que j'ai une culotte. Donc vraiment celui-là très très bien. Pour un L vraiment, voilà, il y a quand même de la marge et tout. Il tombe bien, vraiment très très léger et tout. Parfait, donc voilà, comme là avec un petit t-shirt blanc et tout. Bon là avec le côté beige c'est pas terrible, mais avec un blanc vraiment très très bien. Mais vraiment parfait. Donc le orange évidemment il faut que je mette un... Hop, je vais vous redresser. Non, hop, vous partez. Je vais vous redresser comme ça, on va clôturer la vidéo. Donc là, évidemment, le orange. Hop, je vous remets dans l'autre sens. Donc je vous disais, évidemment, le orange, il faut le mettre avec un sous-vêtement cher. Parce que là, vraiment, vous voyez tout. Mais vraiment, bon, vous bougez. Mais vraiment, trop bien.
Voilà, super ces petits pantalons-là, légers et tout. Donc ça va être parfait. Donc voilà, très très contente de les acheter. Et enfin, pour finir, j'ai pris évidemment de la lingerie, Mélanie sans lingerie. Donc j'ai pris tout d'abord, je l'ai vu tout court en caisse, une petite paire de collants comme ça, avec des petits cœurs. Ça fait longtemps que je voulais en prendre un. Voilà, je voulais prendre donc les petits collants comme ça. Donc c'est vraiment du très très léger, hein, voilà, avec des petits cœurs vraiment tout mignons et tout. Quand je mets, voilà, quand je mets un short et tout, ou une robe. Donc hop, même si bon maintenant on va éviter les collants, mais j'en mets encore. Donc du coup j'ai pris en double XL, j'ai pris large, comme ça au moins je serai bien à l'intérieur. Donc c'était 7€ et... Ouais non, il n'y a qu'une paire. Il n'y a qu'une paire, mais bon là on paye le fait qu'il y a des cœurs dessus quoi. Donc j'ai pris ça et enfin j'ai pris de la lingerie. Parce que... alors j'ai vu un ensemble, donc j'ai vu un ensemble qu'on a reçu dernièrement, qui était juste trop trop beau. Donc j'ai dit je le prends vraiment, il est trop trop beau. Donc en fait il est comme ça. Donc c'est un petit ensemble un peu vert d'eau. Donc il est comme ça. Voilà, donc vraiment très très joli. Hop, vraiment trop trop beau. Donc avec les voilà les petites lanières pour bien prendre la forme de la poitrine quoi, tout simplement. Donc avec plein de petits motifs un peu dentelés et tout, donc vraiment trop trop beau. Et il était à 14€, donc pas donné quand même, 14€. Du coup j'ai pris, bah comme toujours, hein. Hop, j'ai pris du coup, donc ça, attendez, je ne sais même plus. Non c'est ça, j'ai pris du coup le tanga, hop, voilà, à 6€. Et j'ai pris du coup la petite culotte. Hop, voilà. Hop, 6€ aussi. Et voilà. Enfin, j'ai repris un deuxième ensemble parce que c'est bien d'acheter du blanc, mais du coup, il faut du couleur chair. Même pour les pantalons fluides, là que j'ai pris, parce que bah, clairement, on voit tout. Donc du coup, je suis partie sur du couleur chair. Donc du coup, j'ai pris un ensemble basique. Voilà, j'ai pris un ensemble basique comme ça. Là, de toute façon, ces ensembles-là, on les a toutes les couleurs. On l'a en blanc, en couleur chair, on l'a en noir, voilà. Donc c'est vraiment les petits basiques. Donc du coup, voilà, j'ai pris ça. Donc j'ai pris, hop, celui-là à 12€, donc ils sont un petit peu moins chers, hein, vu que c'est des basiques moins travaillés. J'ai pris du coup, alors là par contre, il n'y avait plus de tanga, donc du coup, bah, j'étais obligée de prendre un string. Voilà, hop. Donc là, c'est 5€. Hop, et j'ai pris du coup la version culotte comme ça. À 5€. Voilà. Donc voilà pour tous mes petits achats. Cher tout ça, hein, mais vraiment trop trop contente. Il va vraiment de toute façon falloir que je fasse un gros tri dans mon dressing dès que ma chambre sera faite, parce que c'est le bordel. J'ai beaucoup beaucoup de choses, mais voilà, c'est pas bien de travailler dans le prêt-à-porter. Mais voilà, en tout cas très contente de tous mes petits achats. Donc j'ai déjà commencé à enlever les étiquettes, parce qu'avec Kiabi il y a plein d'étiquettes. Je vais finir d'enlever tout ça et puis voilà quoi. Tout va partir au lavage et puis de toute façon vous me verrez les porter. Donc comme je vous dis, tout est en vente actuellement dans vos magasins. Peut-être l'ensemble terracotta qui n'est peut-être plus, vous n'avez peut-être plus de stock parce que ça fait un moment qu'on l'a reçu. Moi il me reste quelques petits exemplaires dans le mien, mais peut-être que dans le vôtre il y en a encore. Mais tout le reste c'est des nouveautés. Mais c'est pareil, c'est comme les pantalons comme ça. Voilà, c'est comme les pantalons comme ça, ils partent extrêmement vite. C'est vraiment des petits trucs voilà, très tendance, très sympa pour l'été. Donc ça part quand même relativement vite. Voilà, donc j'espère en tout cas que ce haul vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé. Bon, le dernier haul Kiabi a cartonné, plus de 1700 vues. Donc merci beaucoup pour votre fidélité et tout. Vraiment merci beaucoup. À travers mes achats, ça permet de voir ce qui est en vente actuellement en magasin. Donc c'est ça l'avantage de travailler à Kiabi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui vous aimez bien Kiabi, vos derniers achats. Et puis comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner pour faire agrandir la chaîne, me mettre les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo et activer la petite cloche. Comme ça, vous ne loupez rien de ce qui va arriver prochainement. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut.